super fort. Un dragon, t'as vu ça? C'est fantastique. Quand je vais raconter que j'ai vu un dragon, personne ne me croit. Tu es mieux ici qu'à l'écurie, et moi qu'enfermé dans une pièce. Mais pour que l'on soit vraiment heureux, il nous faudrait de l'aventure. L'aventure, l'aventure. Hé, hey, tout doux, mon beau, tout doux. Qu'est-ce que c'est? Tu as fait un long voyage, on dirait. J'imagine que tu dois avoir faim. Hey! Dis donc, tu t'es vite requinqué. Mais où est-ce que tu as appris à danser comme ça? Tu veux que je la touche? Oh! Ah! Ah! C'était toi et les tiens, pas vrai? Qu'est-ce qui vous poursuivait? Oh. J'ai demandé de l'aventure et hop, voilà que tu arrives. On dirait bien que c'est un signe du destin. Il faut que je prévienne le roi. C'est bizarre. D'habitude, la herse s'est ouverte toute la journée. Comment est-ce possible? Nos couleurs? Elles ont été remplacées par celles du baron noir. Ce scélérat s'est emparé du château. Mais oui, je sais bien, mais personne ne peut entrer quand la herse est fermée. Mais où tu vas? Je corrige, presque personne ne peut entrer quand la herse est fermée. Aïe! Tu es drôlement malin, tu sais. Tiens bon. Tu es prêt à sauver le royaume? Suis-moi. Ce garde surveille la chambre de ma sœur Léonore. Détourne son attention.